Je suis sûr que personne comme ça va me reconnaître. Ou non, je vois des vidéos sur YouTube. Numéro 1. J'en ai ras-le-bol de cette notoriété. J'en peux plus, hein. J'ai pas juste un corps, hein. On veut pas. Ah non, c'est vrai. On fait comme ça. On fait un petit chèque comme ça. Arrête, vraiment. Déjà, je suis protégé. Merci. Tu m'as beaucoup aidé sur beaucoup de vidéos, surtout sur des entretiens. Dans deux ans, dans. Bonjour à tous, les amis. Bonjour les amis, Franck, Nicolas, question pour vous, où serez-vous dans 6 mois? Vous le savez, plus que jamais dans ce contexte en ce moment, beaucoup d'entre vous, et d'aucuns le disent en permanence, c'est que sont perdus, manque de clarté, la décision à prendre, le choix, et évidemment la carrière est chamboulée, complètement modifiée. On a aussi, quand on est entrepreneur, une difficulté peut-être à affronter la crise, à mieux gérer ses indicateurs de performance. Donc la vraie question, c'est où est-ce que, et ça c'est un point qui est important, c'est que où est-ce que vous serez dans 6 mois? Sourire plus, agir plus, stratégiquement évidemment. Levez-vous tôt, couchez-vous tôt. Et surtout n'oubliez pas les deux facteurs des multiplicateurs, les deux effets de levier. Deux éléments puissants de pouvoir et de contrôle sur nos choix, nos décisions, notre créativité. Alors retenez ces deux éléments. Le premier élément, c'est l'énergie. Sans énergie, souvent d'ailleurs tournée en dérision, dans le programme de coaching Spark, qui est un programme de leadership et d'entrepreneurship qui dure un an, qui existe depuis 2013, grand public. On revient toute l'année avec des experts, des médecins sur la santé pour des entrepreneurs et des leaders qui mettent à mal leur quotidien, leur rythme de travail, le fameux boulot dodo métro, eux ils le connaissent aussi, et peut-être parfois plus en termes d'heures, de 60 à 90 heures par semaine. Donc la santé, c'est le premier élément. C'est un point à ne plus laisser de côté, et c'est marrant parce qu'en ce moment, la plupart des gens maintenant sont d'accord avec moi, alors que sinon il y a seulement quelques mois encore. Numéro 1. Numéro 1. Uno. On peut pas. Ah non, c'est vrai. On fait comme ça. On fait un petit check comme ça, mais merci. Tu m'as beaucoup aidé sur beaucoup de vidéos, surtout sur des entretiens. Numéro 1. Merci mon frère. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Hein. C'est marrant parce qu'à chaque fois où je sois dans le monde, vous êtes de plus en plus nombreux à me dire Franck, tu nous as aidé dans le programme Spark, tu nous as aidé dans notre quotidien. Donc le premier élément, ce que j'étais en train de dire, c'est la santé. Donc là, vous ne vous touchez pas, hein, vous faites semblant. C'est la santé, c'est la première des choses. Sans la santé, plus que jamais en ce moment, vous réalisez, on peut rien faire. Deuxième élément, un effet de levier fort, c'est, la connaissance. Sans la connaissance, vous aurez du mal, évidemment, la mise en application de cette connaissance plus justement, mais ça commence par la connaissance. La connaissance est le pouvoir aussi, à l'image de la santé. Beaucoup d'entre vous, vous allez, alors peut-être pas en ce moment, mais avant, il y a quelques mois, on était plutôt enclin à dépenser dans du divertissement en permanence. On se dit, tiens, une paire de chaussures, à moins 50%, ça vaut le coup, je l'achète. Sauf que 2 heures avant, on n'était pas prêt à mettre 20 balles dans un livre, mais on n'avait pas l'argent pour le livre. Pourquoi? Parce que, et aujourd'hui, vous le comprenez plus que jamais, c'est qu'il va falloir que vous acceptiez de prioriser ces deux effets de levier, la santé et la connaissance, même si dans l'instant, l'effet n'est pas immédiat. Je m'explique. Vous achetez une paire de chaussures, moins 50%, moins 80 000% si tu veux, je m'en fiche. On va faire une caricature. Mais tu sors de l'argent de ton portefeuille et t'as l'effet immédiat. T'as immédiatement l'effet, le plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Alors que la connaissance, un livre, bon ben, déjà c'est dur, les gens ne veulent pas faire d'efforts pour apprendre, pour augmenter cet effet de levier qui est la connaissance, la formation, qui donnera du pouvoir sur le marché du travail notamment. Hein, plus tu as de connaissances, tu mets en pratique, plus tu as quand même la potentialité d'avoir des résultats pour toi, ton employeur ou ton entreprise ou tes clients. La paire de chaussures, j'achète immédiatement, tu vois, j'achète, paf, la paire de chaussures. Ah, c'est un plaisir immédiat. Et là, voilà comment on se dit, c'est des bonnes affaires. Et 2 heures avant, le livre, on ne voulait pas l'acheter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un plaisir immédiat.
Alors certains vont dire, mais je prends du plaisir à lire. Oui, c'est vrai. Alors quand c'est un roman, etc., certains y prennent peut-être plus facilement du plaisir, mais en général, de se former, d'apprendre, de prendre une formation en ligne, de suivre un programme, d'écouter un audio formatif, informatif aussi. Et puis, ben ça génère pas du plaisir immédiatement pour tout le monde. Après, oui, avec ce rythme-là, vous allez prendre du plaisir. Mais au début, les gens, non, c'est comme de se remettre à faire du sport. Ça fait mal aux poumons au début. Ben, c'est la même chose, t'as pas de poumons dans la tête, mais c'est la même chose, ça consomme énormément d'énergie. Donc pensez à cela, la santé, numéro uno. Mais la santé, vous avez compris, hein, on se met à faire du sport, mais on perd pas du poids immédiatement. Parfois, il faut 6 mois pour lutter contre le rebalancement de notre glycémie, notamment. Donc ça demande un effort. Mais croyez-moi, enfin je pense que vous me croyez maintenant, et surtout dans cette période difficile qui nous confronte à nous-mêmes, à notre compétence, à nos compétences, à notre capacité de faire preuve de résilience et à la fois de savoir rebondir et de saisir les opportunités. Plus que jamais, pensez à la santé, puis pensez aux connaissances. Et puis merci mille fois, likez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Ça nous fera grand plaisir de vous accompagner toute l'année. Vous êtes des millions chaque année à être rejoints par nos vidéos dans le monde entier. Et sachez que le travail que l'on fait au quotidien, on le fait pour vous, mais on le fait aussi parce que on est intimement convaincus qu'on a un rôle à jouer, nous leaders et entrepreneurs, dans cette belle société qui est en train de se réinventer. Et faisons partie de ce changement tous ensemble. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus ici gratuits qui vous attendent pour plus de leadership, plus de résultats et plus de performances. Et vous pouvez aussi vous inscrire ici pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Et c'est ça qu'on aime. Ah, merci. Vous pouvez choisir tranquillement, je vais prendre votre temps. Aussi hein, à notre chaîne YouTube, ça c'est à vous de voir. Alors, je sais que le choix n'est pas facile, hein, il faut parfois t'as un petit peu. Hein, l'hésitation c'est complexe. La prise de décision, c'est ça le truc qui. Hein, mais là, c'est. Je sens chez vous que. Ah, oh, celle-là, je sais pas laquelle. Hein, non, mais prenez votre temps.